Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin Zakara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur YouTuber Life OMG pour le troisième épisode. Et rappelez-vous, dans le dernier épisode, on avait assisté à notre première convention. Et rappelez-vous d'ailleurs, en fin d'épisode, on avait la possibilité de déménager. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, sans plus attendre. On va cliquer sur la porte, mon domicile. Voilà, donc on va déménager dans un appartement d'étudiants. On devra payer 80 € de loyer par mois. On aura d'ailleurs un meilleur débit internet, ce qui est plutôt pas mal. On va passer de 1 Mbps à 4 Mbps, donc ce qui est plutôt pas mal, hein, ça nous fait 3 de plus. On va devoir d'ailleurs aussi payer notre propre nourriture. Donc voilà, après il va falloir bien gérer l'argent, mais bon, ça devrait être largement faisable. Et on aura la possibilité aussi de faire des formations. Donc sans plus attendre, on va déménager et puis on va voir tout simplement notre nouvel appartement. Voilà. Alors, c'est dans cette chambre que j'ai découvert que je pouvais vivre de YouTube. Et j'y ai consacré toute mon énergie. De plus, dans cet appartement, j'avais le temps d'étudier divers sujets et d'améliorer mes compétences de YouTuber. Mais j'avais aussi de nouvelles obligations, ok? J'étais déjà dans mon nouvel appartement. Maintenant que je ne vivais plus chez mes parents, j'étais libre de faire ce que je voulais, mais j'avais de nouvelles responsabilités, d'accord? À partir de ce moment, je pouvais manger ce que je voulais. Alors, manger, ouvrir le frigo. Alors, comme on a pu voir, on va devoir acheter nous-mêmes notre nourriture. Donc, j'espère que ça coûtera pas trop cher. Alors, on a l'eau en illimité, le pain en illimité. Et on a, pour l'instant, 3 sandwichs en rab. Alors, on va faire une petite visite de l'appartement. Donc là, on a notre lit, on a le frigo qui est ici. Là, on range nos jeux. Là, on a la télé avec notre console. Ok, ça, c'est quoi? Ça, ça doit être pour les formations, je pense. Et là, il y a notre petit setup. Alors, manger 2.0. Oh, je n'ai que 2 sandwichs. Pas de panique, je pouvais acheter de la nourriture en cliquant sur mon réfrigérateur. Ok, donc on va cliquer sur le frigo. Acheter à manger. Donc ça se fait a priori en ligne directement sur notre PC. Alors on a du café, de la boisson, donc ça ressemble à du Red Bull. On a des hot dogs, des hamburgers, spaghettis, salade, soda et sandwich. Donc ça va, ça n'a pas l'air d'être trop cher. Alors qu'est-ce qu'on pourrait s'acheter? On va s'acheter, tiens, un hot dog. Et puis un café, tiens, voilà un café. Et puis ça sera tout. Alors, un autre avantage de cet appartement était que j'allais pouvoir améliorer mes compétences grâce aux formations via ma bibliothèque. J'étais en mesure de choisir un cours qui m'intéressait. Je pouvais faire une pause et continuer quand j'en avais envie en cliquant à nouveau sur la bibliothèque. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que si, par exemple, on manque de sommeil ou qu'on manque de nourriture ou qu'on doit aller gagner de l'argent pour payer notre loyer, on pourra le faire et reprendre notre formation ensuite. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, ce qu'on va commencer par faire, c'est par faire une vidéo, hein, parce qu'il nous reste 1 $. Alors, nouvelle vidéo. D'ailleurs, faudra que je répare aussi le PC, là, pour 20 $. Alors, Counter-Strike, la popularité est encore élevée. Tiens, on va faire ça, gameplay. On va se gagner un petit peu de thunasse, parce que là, c'est pas terrible. Allez, gameplay numéro 2. Et après, on ira bosser un petit peu. Alors, salutations formelles. Alors, du vert et du orange. Est-ce qu'on aurait ça? Là, on a du vert ou du orange. On va prendre du vert. Voilà, nickel. On a les 6 points pour le vert. Rouge et vert. Rouge et vert. Ok, là. Allez, ça grimpe, ça grimpe. Vert et orange. Ok, donc on va faire une réflexion. Alors, rouge et vert. Ok, bon, on n'a qu'un triste au roi en orange. On va mettre ça. Et voilà, maintenant, montage. Tac. Allez, est-ce qu'on va arriver à se faire un beau montage? Oh oui, ça, c'est parfait. Ça, franchement, ça peut pas être plus parfait que du vert.
Eh ben, on commence très très bien cet épisode. Nickel. Là, ça devrait faire une bonne vidéo. Eh ben voilà, 192 de score. Plutôt pas dégueulasse. Et on va aller taffer un peu, histoire de réparer notre PC. Hop, travailler. On va travailler pour 8 heures. Comme hôte d'événement. Ah bon, on peut pas le faire. Ah, mais c'est parce qu'on doit dormir. On doit dormir. Allez, va faire dodo. Tiens, je vais en profiter à parler à lui, là. Alors, quoi de neuf, Kevin? Un nouveau modèle de téléphone va sortir dans quelques jours et il est livré avec des outils très importants pour un YouTuber. Tu devrais assister à cet événement pour être au courant des nouveautés de l'industrie et aussi gagner une certaine réputation. J'ai quelques invitations si tu veux venir avec moi. N'oublie de confirmer ta présence dans le calendrier, ok? Alors, on va tout de suite faire ça. Calendar. Hop, acheter un billet. Ok, donc c'est gratos. Donc je dis, pourquoi pas. Allez, maintenant on va taffer. Voilà, ça va aller mieux pour travailler. Et après, on va manger un petit bout. On va aller manger un peu. Bon, en sachant qu'il faut y aller parcimonie avec la nourriture, parce que comme on la paye... Hop, normalement il nous reste le hot dog, le sandwich et tout ça. Voilà, notre vidéo se publie. Et on va pouvoir réparer notre PC. Allez hop, préparer. Et on va se refaire une nouvelle vidéo. Et après on ira regarder un petit peu les jeux qu'il y a. En espérant qu'il y ait des jeux qui soient plutôt pas mal, avec une bonne réputation. Alors, ah ok, on va à l'événement. Donc on va y aller comme ça, on va rester habillé comme ça, ça sera très bien. Alors, voyons voir un petit peu la présentation de ce téléphone. Alors, bienvenue pour la présentation du nouveau Strasbury Course 9200. Nous espérons que le Strasbury Course 9200 révolutionnera l'industrie du mobile. Ce nouveau téléphone intègre un réseau social où vous pouvez poster votre propre contenu et suivre vos amis via leur mur. Il ne faut aucun doute que cette nouvelle technologie révolutionnera votre vie. Ok. Cet appareil sera disponible le 24 février au prix de 150$. Tous nos invités, excusez-moi, recevront un rabais de 100$, d'accord? Donc ça veut dire qu'on ne le paiera que 50$ si on l'achète. Et ben c'est plutôt pas mal. Ok, ça suffit, je pars. Alors, bonjour, je suis Noah, je suis le représentant commercial pour Honey. J'espère que nous pouvons poursuivre notre collaboration dans le futur. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler à des gens? Tiens, on va aller parler à elle. On va lui parler de YouTube. Alors, tout le monde a une chaise de nos jours. Tout le monde a une chaîne de nos jours. Hors de question que j'en fasse une, même si on me paierait pour le faire. Oula, elle n'a pas l'air très contente. On va aller parler à quelqu'un d'autre. Parler de YouTube, tiens. Alors, à ta place, je ferai mes devoirs avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Ils n'ont pas l'air très, très accueillants aujourd'hui. Quoique, lui a l'air plus sympathique. On va continuer de lui parler. Parler d'argent. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Eh bien, je préfère chialer dans une voiture de luxe que dans une épave, d'accord? Ok. Allez, on a assez discuté. Il est temps de rentrer. Ah bah tiens, on peut peut-être faire une petite photo. Voyons voir si on peut faire une petite photo, là. Alors, poser pour la presse.
Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ok, assez posé, vous pouvez sortir. Personne ne vous connaît, d'accord. Ah, c'est vrai qu'avec 5000 abonnés, on n'est pas très très connu. Allez, on rentre à la maison. Alors, après avoir assisté à la présentation, j'ai compris que j'avais besoin de l'un de ces nouveaux téléphones si je voulais continuer à attirer les abonnés. Il me fallait 50$ pour acheter ce téléphone. Ok, on va les taffer. Hop, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme taf? Livrer des journaux pour 35$. Et après, on va se refaire une vidéo comme prévu. Il faudra d'ailleurs qu'on achète aussi un nouveau jeu. C'est vrai qu'on a pas mal de dépenses à faire là. Ah bah tiens, il a envie de dormir. On va aller dormir avant. C'est vrai qu'on a pas mal de dépenses à faire entre le téléphone et le nouveau jeu. Surtout que dans cet épisode, j'aimerais bien économiser un maximum d'argent pour améliorer un petit peu le setup. Pouvoir acheter soit une nouvelle caméra, soit autre chose qui pourrait nous aider à avoir plus d'énergie. Allez, on va se manger un petit sandwich. Et on va se refaire une nouvelle vidéo. Sur Counter-Strike, en sachant que la popularité est en train de descendre, donc faudra pas tarder à acheter un nouveau jeu. C'est ce qu'on va d'ailleurs faire avant d'acheter le téléphone, parce que pour moi le téléphone c'est pas très très important. Je préfère vraiment avoir des bonnes vidéos sur la chaîne plutôt qu'un tel. Alors vert et orange, est-ce qu'on aurait ça? Ok, on va mettre du vert. Voilà. Orange et rouge. Alors, orange et rouge. On n'a que celui-là. Orange et rouge encore. Et bon, on va mettre une réflexion. Là, ça n'a pas l'air de trop correspondre, hein. On a du orange. Ça nous fait toujours 2 points. Alors, voyons voir le montage. Ok. Ça a l'air plutôt pas mal au final, hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Je vais remettre ça comme ça. Je pense qu'on pourra pas faire mieux. Non, je pense pas qu'on pourra faire mieux. On va mettre un peu d'orange et un flou artistique. Et voilà. Ouais, le score un peu moins bien que tout à l'heure, mais ça reste quand même raisonnable. Alors, vous jouez à ce super jeu avec des bonbons, mais à le niveau 474 est juste impossible. Achetez un booster ou demandez des vies. J'hésite là. Alors, je vais acheter un booster. Impossible de passer le niveau, même en payant. Quel genre de cerveau maléfique a bien pu concevoir de tels jeux? Donc plus 10% en expérience et moins 2$ d'argent sur le téléphone. Non, moins 2$ d'argent tout simple. Je pensais avoir vu le logo du téléphone. Alors travailler, on va en tant que développeur stagiaire. Et ça va nous rapporter 60$. Notre vidéo est toujours en traitement. Ça tombe bien, comme ça on gagne un peu de thunes en même temps. Et d'ailleurs, on va pouvoir aller acheter un nouveau jeu. Alors, salut, je me sens mal. J'ai eu une dispute dans mon couple. Je vais jouer pendant un certain temps. Bah, vas-y, écoute, fais-toi plaisir. Lou, en attendant, on va dormir. Alors, mon bonhomme a pas l'air pressé. T'as pas l'air très pressé, hein. Donc je pense qu'il va aller dormir tout seul. Nickel. Et on va se manger un morceau ensuite. Hop. Non, quoique on mangera après. Parce que comme on va aller acheter un nouveau jeu, ça va nous gaspiller de la nourriture pour rien. Alors, voyons voir ce qui est en tendance en ce moment. Hop. Alors, meilleure vente. Néo.
Overcraft Palace, d'accord, 4 étoiles. Meilleure note, Wild West Ice. Eh ben, le Wild West Ice a l'air plutôt pas mal. Donc, je pense qu'on va acheter celui-ci. Voilà. Et on va d'ailleurs aller voir le téléphone acheté. Parce qu'il nous reste 79$. Alors, PC World. Ça doit être tout au fond dans les téléphones portables. Il est ici, le fameux téléphone. Et ben voilà. Nickel. Et on va aller retravailler. Parce que on arrive bientôt en fin de mois. Et du coup, on va devoir payer notre loyer. Et il va nous falloir 80$. Hein. Alors ça, c'est notre jeu. Et derrière, notre téléphone qui arrive. On regardera un petit peu comment le téléphone est un peu foutu quand on aura un petit peu de temps. Alors maintenant que j'avais acheté ce nouveau téléphone, il me fallait partager ma vie de YouTuber avec mes followers, d'accord? Désormais, vos followers exigeront des publications fréquentes au moins une fois par jour. Ils se fâcheront si vous ne le faites pas. D'un autre côté, ne commencez pas à raconter votre vie en postant des trucs toutes les deux minutes. Avec votre nouveau Strasbury Course 9200, vous pouvez suivre vos amis et autres youtubeurs sur leur profil et lire leur opinion sur un grand nombre de sujets grâce aux messages sur leur mur que vous pouvez consulter avec cet appareil. Les médias sociaux sont des outils très utiles pour tout youtubeur. Ok, donc accédez aux réseaux sociaux avec votre nouveau téléphone. Bah tiens, on va les voir tout de suite. Oh, il a un bel écran d'accueil, hein. Bel écran d'accueil, ce téléphone. Alors, je crois que c'est sur Piper. Alors, sur le mur, vous pouvez lire les messages de personnes que vous suivez et connaître leur opinion sur divers sujets ou tout simplement ce dont ils veulent parler. Ils peuvent aussi déposer des conseils pour votre chaîne de temps en temps. Alors, soyez attentifs. Ok. Alors, bien, avec les médias sociaux, vous pouvez également promouvoir des vidéos récemment mises en ligne pour obtenir plus de vues. Gardez à l'esprit que la promotion d'une vidéo coûte de l'argent et si la vidéo est mauvaise, la promotion ne sera pas très utile, d'accord? Oh non, je n'ai pas pu payer les factures ce mois-là et je m'étais endetté. Je devais résoudre le problème et absolument payer les factures du mois suivant, sinon c'était la fin, d'accord? Tu passes toute la journée à faire des vidéos, tu es infatigable. Bah mec, je suis un petit peu obligé là, j'ai des dettes pour mon loyer, donc j'ai pas le choix, hein. Alors, publier. Qu'est-ce qu'on pourrait publier? Ok, ça publie automatiquement. Donc là, comme vous avez pu voir, on va devoir vraiment remonter la barre, hein, parce que on est endetté et si on paye pas le loyer le mois prochain, eh ben, on est fichu. On est fichu de chez fichu. Allez, on va travailler un peu et après, on va tout de suite se mettre au boulot et faire des vidéos. Parce que c'est pas tout de gagner des abonnés et gagner des vues. Il faut aussi qu'on gagne de l'argent. Alors, nouvelle vidéo. Normalement, on a un nouveau jeu. Qui a l'air plutôt pas mal. Et normalement, on devrait faire des revenus là-dessus. Alors, en espérant que ce jeu nous portera chance. Allez, on va voir ça. Et puis après, on ira retravailler. Hein, on va être obligé. Si on veut pouvoir payer notre loyer. Allez, vert et orange. Il n'y a pas de vert et orange. Il n'y a que du vert. Mais c'est plutôt pas mal. Alors, rouge et orange. Allez, 2 points pour le orange, là. Ok, 2 points encore. Alors, voyons voir au niveau du montage. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Tac. Ouais, ça va pas être très très joli, tout ça. Hein. Je vais déjà tous les placer, et puis on va voir ça. Alors là, on a 2 rouges. Et là, on en a 3.
Donc on va mettre ça comme ça. Et on va rajouter de la couleur. Et puis un flou artistique. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? 168 de score. C'est plutôt pas mal. Et on va aller dormir. Là, c'est vrai, comme vous avez pu voir, j'ai pas pris le temps de remanger, de dormir. Parce qu'il faut vraiment qu'on fasse de l'argent. Donc là, on va ensuite manger. Et puis, on va aller travailler et rattaquer directement sur une nouvelle vidéo. Allez, mange, mange, mon petit. Alors, manger. Tac, on va manger du pain, c'est gratuit. On va essayer de garder notre argent. Hop. Allez, je pense qu'encore une fois, et puis ça sera bon. On aura nos ampoules à fond. Bon, c'est bon. On va attaquer ça comme ça. On en a 23 sur 24. Alors, on va d'abord aller travailler. Parce que notre vidéo est encore en publication. Et on va aller cirer des pompes. Alors là, ça va vraiment être tendu. Même si on n'est que le 5 du mois, il va falloir vraiment s'activer. Alors, 100% de popularité, donc c'est nickel. On va en profiter. On va vraiment en profiter là. Alors, salut Kevin, je suis le représentant du Nintendo. Pourras-tu participer à Celtic Amish? Nous pensons que ta présence assurerait le succès de l'événement et cela te permettrait de rencontrer d'autres youtubeurs. Bah ok. Alors accepter. Ah ben j'ai pas accepté. Bon bah tant pis. Alors est-ce que notre personnage est fatigué? Non, ça a l'air d'être bon. Allez, nouvelle vidéo, tac. C'est vrai que dans cet épisode, il y a beaucoup de lectures. Alors des fois, du coup, on s'en mêle un petit peu les pinceaux. Alors, vert et rouge, on a du vert. Nickel. Violet et rouge. Alors, est-ce qu'on aurait ça? Non. Bon, on va mettre ça. Même si au niveau du vert, on en a 8 sur 6. On va essayer de mettre un petit peu ailleurs. Tac, du orange. Alors, bah orange. Ça fait toujours 2 points. Alors, tac. Est-ce que ça sera mieux que tout à l'heure? Ça a pas l'air. Hein. Quoique, ça a l'air pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. Je vais regarder un petit peu ce que je pourrais faire là. On va laisser ça comme ça. Allez, on met un petit ajustement de couleur et puis un flou artistique. Et on envoie ça directement. 215 de score, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, vous réalisez que votre dernier upload contient un mauvais segment audio. On le remarque à peine et cela prendrait du temps à corriger. Qu'allez-vous faire ? Le réparer. Nickel. Donc je pense c'est ce qu'il fallait répondre. Hein. On avait d'ailleurs répondu la même réponse hein, dans le premier ou deuxième épisode, je m'en rappelle plus. Hop, on a dormi. On va aller travailler direct. Tac. Pour programmeur stagiaire pour 50$. Alors cette vidéo est divertissante mais trop courte. La prochaine ne pourrait pas être un peu plus longue. Bah bien sûr, on va essayer. On va essayer. Allez hop, on part directement travailler. Traitement de la vidéo en cours. Et normalement, une fois qu'on aura mangé et dormi, on pourra rattaquer sur une nouvelle vidéo. Et là, en tout cas, on a bien remonté au niveau de l'argent.
Alors, manger. On va juste manger un petit casse-croûte. Et puis, on va aller dormir direct. Allez, va faire dodo. Et puis, il faudra aussi qu'on poste un message sur Piper, là. Parce qu'on doit en poster normalement un par jour. Il faudra qu'on pense aussi à s'acheter des casse-dalles. Parce que c'est vrai que les petits pains sont gratos, mais ça augmente pas trop trop en fait. Hop, encore un petit pain. Alors, je vais jouer un petit moment si tu ne vois pas d'inconvénient. Mais tu viens tout le temps chez moi, toi. On dirait que le mec, il a pas de baraque, quoi. Le mec, il vient tout le temps squatter ma console, là. Donc heureusement que je fais pas de vidéo dessus parce que sinon j'arriverai pas à faire mes vidéos tranquilles là. C'est vrai que lui, depuis le début de l'épisode, il arrête pas de venir. Allez, nouvelle vidéo. Toujours une popularité à 100%. Et on va en profiter justement. Vu que ce jeu a l'air de bien nous réussir quand même. On a obtenu un bon score sur le dernier gameplay. Donc en espérant que celui-là, ça sera pareil. Alors, vous commencez l'enregistrement. Salut formel. Enfin, salutation formelle. Alors, orange et vert. On va mettre du vert direct. Comme ça, on a les 6 points sur 6. Du violet et du orange. Eh ben, nickel, on en a. Tip top, ça fait 5 points de plus là. Encore du orange et du violet. Allez, on va prendre ça. Même si on perd un en violet, c'est pas grave. Voilà, nickel. Orange et vert. On aura que du orange. Et c'est nickel. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, je vais déjà tous les placer comme ça. Et puis, on va voir comment on peut formuler ça. Tac. Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Hop. Ouais, bon, on va laisser ça comme ça. Ça a l'air pas mal. On pourra pas faire mieux. On aura un rouge, malheureusement. Mais c'est pas très très grave. Allez, hop. Bah voilà, 221 de score. Donc, contre quoi, des fois, les petites flèches rouges, ça gêne en rien. De toute façon, on pouvait pas faire mieux. Allez, travailler. Est-ce qu'on peut travailler? Nickel. Chez Micromania. Enfin, je crois que c'est pas Micromania. Je crois que c'est un autre nom, mais moi, j'appelle ça Micromania. Ah oui, puis il faut qu'on poste notre message sur Piper. Allez, on va faire ça. Piper, tac. Publier un message. Allez, hop, hop, hop. Et on va en profiter après pour faire dodo. Je vais jouer un petit moment si tu ne vois pas d'inconvénient. Vous voyez, lui, il n'arrête pas de venir. Ah, il est chiant, lui, hein. Sérieusement. Sérieusement, il est vraiment casse-burne. Allez, on va manger un petit peu. Allez, un petit pain. Et puis voilà, c'est nickel. On va parler à lui. Et puis après, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Alors, bonjour, tu es bien Kevin. On m'a dit que tu faisais de bonnes vidéos. Pourrais-tu enregistrer une vidéo d'un jeu et la mettre en ligne? Je t'enverrai le jeu en question. Ok. Alors, pour 126$ et 16K d'exp. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, on le fera. Cool, je te l'enverrai en rentrant à la maison, pas de souci. Donc voilà, comme je vous ai dit les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc voilà, un épisode plutôt pas mal. On a pu s'installer tranquillement dans notre appartement. Malheureusement, on a eu le petit couac bah, au niveau du loyer, du fait qu'on n'ait pas pu le payer. Mais bon, c'est pas très grave, on s'est rattrapé, on a 200$ de côté.
Donc c'est plutôt pas dégueulasse. Donc voilà, dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle appartement et de cet épisode. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Abonnez-vous aussi à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné et que ma chaîne vous plaît. Pensez aussi à activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.